oui. J'aimerais ça, mais maman est malade et mon père n'est pas encore revenu. Maman! Maman, j'ai un cadeau pour toi. Kunga, pas si fort. Mais je veux donner ma plante à maman. Mais maman est malade. Oui, je sais, mais elle aime ça, les plantes, elle va être contente. Chut! Mais là, c'est pas le temps. Il faut qu'elle dorme pour se reposer. Moi, je peux jamais rien faire, hein? Maman dort tout le temps. Mais c'est normal, quand tu es malade, toi aussi, il faut que tu dormes. Allez, occupe-toi, trouve-toi un jeu. Excuse-moi, mon ami. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Papa, je suis contente que tu arrives. Kunga, arrête pas de faire du bruit, on dirait qu'elle veut réveiller maman. Non, c'est pas vrai. Oh oui, c'est vrai. Non, j'ai fait juste un petit peu de bruit, de rien du tout. C'est voilà qui arrête pas de me chicaner tout le temps pour rien. Non, madame, ça va, les filles, ça suffit. Retournez à vos activités et personne ne fait plus de bruit. Mais justement, papa, Mélanie vient juste de m'inviter à dîner chez elle. Est-ce que je peux y aller? Oui, vas-y, je vais rester ici avec ma cunette. Oh, merci, papa. Au revoir. Papa, nous deux, on pourrait aller à la piscine ensemble. Non, je ne peux pas, ma grande. Hein? Mais pourquoi? Tu avais dit qu'on irait à la piscine. Mais parce qu'il faut que je reste ici auprès de ta mère. Hein? Ben voilà, pour rester. Je viens de lui donner la permission d'aller chez Mélanie. D'abord, on pourrait aller sur le trottoir devant la maison. Tu m'aiderais à faire de la bicyclette? Non, je veux rester dans la maison pour entendre Adélaïde si elle m'appelle. Hein? Ben, viens, toi, on va ranger l'épicerie et après, on va faire le dîner ensemble. Papa, moi, je veux voir maman. Et pas tout de suite. Attends qu'elle se réveille, hein. Tu m'avais dit qu'en revenant de l'hôpital, après son opération d'appendicite. C'est son opération d'appendicite. Oui, tu avais dit qu'elle irait mieux. Oui, elle va un peu mieux, mais elle est encore trop malade. Il faut qu'elle se repose et qu'elle dorme beaucoup. Allez, ma grande, ne reste pas là, rien faire. Tiens, installe-toi ici. Je vais te préparer quelque chose à manger. Joue avec ton casse-tête et quand Adélaïde va se réveiller, tu pourras aller la voir. Maman, donne-moi la main.
Moi, je t'aime. Ma maman. Maman. Ma maman. Moi, je t'aime. Ma maman. Maman. Ma maman. Moi, je t'aime. Ma maman. Maman? Viens-tu cuisiner avec moi, coup de cœur? Et si ça te tente plus de faire des casse-têtes, trouve-toi un autre jeu plus amusant. Hmm? Mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Je veux voir ma maman. Oh, mais elle dort, ta maman. Je veux la voir quand même. Je ferai pas de bruit. Et attends qu'elle se réveille. Hmm? Mais peut-être qu'elle va plus jamais se réveiller. Et qu'elle va être morte. Et que moi, je ne pourrai plus jamais revoir ma maman. Oh, ma gounounette, non, 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 n'aie pas peur. Ta maman ne va pas mourir. Elle est fatiguée, elle a encore mal à son ventre à cause de l'opération. C'est vrai que c'est plus long qu'on pensait. Mais les docteurs ont dit qu'Adélaïde irait de mieux en mieux et qu'elle allait guérir complètement. Je voudrais la voir dormir un petit peu. Je m'ennuie d'elle. Je ferai pas de bruit, papa. Je vais marcher comme une fourmi. Tu ne feras aucun bruit. Non, non. Je vais lui donner ma belle plante. Oh, c'est une bonne idée, ça. Elle va être contente. Si oui, papa. Si oui, mais on restera pas longtemps. On va aller déposer ta plante sur la table près du lit en marchant comme des mini-fourmis. Puis on va regarder ta mère dormir un peu et après, on va sortir délicatement de la chambre en marchant encore comme des fourmis. D'accord? D'accord. Tiens. C'est un cadeau pour toi, maman. Oh, une plante araignée. Elle est belle. Merci, Kunga. Veux-tu qu'on te laisse dormir? Tu veux voir ma pitchounette une petite minute? Ah, à tout de suite. Est-ce que tu as encore mal à ton bedon? Un tout petit peu. Tu vas plus être malade, hein, maman? Encore un petit peu pour quelques jours. Tu vas pas retourner à l'hôpital? Tu vas pas mourir, hein, maman? Non, il n'en est pas question. Tu vas voir. Dans 5 plus 5 dodo, je vais être tellement en forme que tu pourras même pas me rattraper à la course. Maman, quand tu auras plus de bobo, est-ce qu'on va encore aller à l'épicerie ensemble? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va faire de l'exercice et aller au parc, se balancer et jouer au ballon et au petit doux? Oui, on va faire tout ça. Est-ce que tu vas encore me raconter des belles histoires le soir dans mon lit? Oh oui, ma congounette. J'ai hâte de te coller très fort et de te raconter des histoires. Moi aussi, maman. Kunga. Oui, maman. Je pense que je vais m'endormir. Est-ce que tu veux que je reste avec toi? Non, c'est pas nécessaire. Est-ce que tu veux
que je te raconte une belle, belle histoire pour t'aider à t'endormir. Non, ma belle Kunga. Va t'amuser. Va jouer avec tes amis. Ce que j'aimerais, là, ce qui me ferait plaisir, c'est que ma fille soit heureuse et qu'elle s'amuse. Voyons, où est-ce que j'ai mis ce thermomètre?